Bonsoir à tout le monde. Je dois absolument faire cette vidéo pour vous enseigner deux, trois choses. Parce qu'il y a des personnes parmi vous, vous êtes un peu perdus côté finance. On ne peut pas avancer ensemble si on ne parle pas d'argent. Nicole, je vais renvoyer la photo de ton enfant. Tu as compris? Tu as écrit en inbox, tu mets sur Facebook. Pour me laisser. Mince. Tu me... Like, attends, je vais te chercher pour te bloquer d'abord. Ça, vous pensez que le travail qu'elle fait est facile? Non, mais pas tous les jours. Il y a un là particulièrement. Chaque mois, il va t'harceler pour que tu l'envoies son travail. Tu lui dis que j'ai compris, j'ai compris. Laissez-moi tranquille. Donne-moi le numéro où je vais te rembourser ton argent, s'il te plaît. Merci. Vous faites des années, vous ne travaillez pas sur vos enfants. Maintenant, vous venez me stresser. Mais c'est même pas ça. Et je vous dis encore, je ne fais pas le miracle. Tu portes tout ton affaire à 25 ans, tu peux me le donner. Mais c'est même quoi ça? Dieu vous a appelé, vous ne voulez pas être sur vos dons pour aider les gens. Vous savez combien d'entre vous, vous pouvez soigner, vous êtes ici, vous me regardez tous les jours. Vous êtes sur le direct tous les jours, vous me regardez. Vous avez les dons de guérison. Les gens souffrent.
Je suis fatigué des guérisseurs qui sont. Vous êtes couché dans votre mbeng là-bas. Il m'a assuré chaque jour en inbox parce que tu m'as envoyé 30 000. Hey, pardon. Laissez-moi. Quand tu me cries une fois, deux fois, trois fois, tu vois qu'elle ne te répond pas parce qu'elle fait ton travail déposé là-bas. J'étais bloqué sur Facebook, j'étais écrit en inbox. Envoie-moi les détails, je t'envoie ton argent. Il y a certains de vos démons là que je ne veux même pas dire avec eux. On vous a appelé, vous avez fui. Cette femme, je l'ai consultée. Dieu l'a appelée, elle dit non, moi je veux d'abord mes papiers, je veux me marier d'abord, je veux d'abord ceci, je veux de ceci, ceci, cela. Pendant que tu demandes ce que tu veux, les gens souffrent. Tes propres enfants souffrent. Tu mets à slip que tu restes tes enfants. Vous fatiguez. Parce que vous savez mieux, mais vous ne faites pas. Vous cachez derrière vos téléphones, m'écoutez. Vous écoutez. On vous montre les gens, les rêves sur les gens. Vous ne leur dites pas. Il faut avoir le cœur pour vouloir aider les gens. Les problèmes des gens que j'entends à longueur de journée, vous savez comment ça me fait mal. Le pire, c'est quand vous connaissez. Tu connais ce qu'il faut faire, tu ne fais pas. Je consulte l'autre ce matin, elle me dit que sa fille de 18 ans. La femme rentre, elle commence à dire qu'elle est devenue bonne again. Le jour de l'examen qu'il faut composer, l'enfant part plutôt que prêcher l'évangile. L'enfant va prêcher l'évangile, 18 ans. Que le pasteur dit que non, c'est il faut prêcher l'évangile. Tu laisses l'école. Tu vois le genre là, tu vas faire comment? Une maman que son cœur pleure. Moi-même, j'ai une grande fille de 18 ans. Parce qu'on parle, vous ne faites pas. Et vous êtes nombreux ici, vous me suivez. Dieu vous a appelé. Vous avez les dons. Vous dormez sur ça. Non, il faut me dire comment je vais faire. Les ancêtres m'ont parlé, mais je veux d'abord qu'ils attendent. Je veux d'abord qu'ils attendent. Vous croyez qu'ils sont contents là où ils sont là eux-mêmes? Dans le spirituel, il ne s'agit pas de celui qui est le plus fort. Il y a tellement de gens ici dehors à aider. Je ne fais pas la confiance avec quelqu'un. Et je vous dis ça tout le temps. Chacun aide à son niveau. Parce que le dehors est mauvais. Entre les gens qui n'ont même pas de don. Vous connaissez qu'il y a des gens ici sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun don. Tout ce qu'ils font, ils escroquent seulement les gens. Du matin au soir. C'est tout ce qu'ils font. Même aider, ils n'aident pas. Toi, tu es là, tu vois. Tu vois. Dieu te parle. Il te donne les choses à faire. Toi, tu es là, tu te caches derrière ton téléphone. Tu veux le chauffage de Mbeng. Tu vas voir tes papiers. Tu vas voir ton passeport Bordeaux. Tu veux seulement le Bordeaux. C'est tout ce qui vous importe. Souvent, tu consultes l'autre comme ça. On te dit que dis-lui qu'elle a tel don. Dis-lui qu'elle doit aider les gens. Tu commences à lui dire que non, parle-moi de mon gars ici. Est-ce que mon gars m'aime? Est-ce que mon gars va m'épouser? Est-ce que mon gars? Dis-moi mon gars. Mon gars. Je dis, ouais, Seigneur. Donc vous n'avez pas l'amour du prochain? Il y a des jours, ça m'énerve. Tu vois une mère comme ça, c'est quatre enfants, tous. Ils ont fréquenté, ils sont dehors comme ça, ils ne font rien de leur vie. Il suffit seulement que tu viennes, tu prends un petit remède comme ça, tu mets comme ça là. Tu donnes, que lave-toi avec, il se lave. Il a le boulot, il a ceci, il a cela. Donc vous n'avez pas pitié des gens. Avant de commencer le direct, j'ai vu le message qu'une jeune fille m'a envoyé. Je l'ai consulté. Je vous ai dit une fois qu'une fille m'a dit. Elle m'a dit cela que leur père est mort. La première femme est venue leur avouer un jour.
mon mari et moi, on avait besoin des enfants à sacrifier. On s'est entendu, on a pris votre mère. Elle vous a accouché pour qu'on vous sacrifie. Attends, on t'avoue ça. Marie-Laure, toi-même, je te bloque. Vous me connaissez? Peut-être vous pensez que j'ai besoin de vous. Tu me suis depuis longtemps, non? Je te bloque. J'ai dit que vous êtes pleine sur ma page. Je vous connais. Je vous connais. Que je vois aussi, hein, je vois. Vous venez me tenter. Même en Bengala où tu es, tu sais combien de personnes sont là où ils souffrent? Mon inbox est plein chaque jour. Je ne peux pas rester. Il y a des jours, je m'en mange, je ne mange pas. Je m'assois ici à 6h. Hier dimanche, je me suis assise ici à 6h15. C'est à 14h que j'ai enlevé mes pattes de la chaise ici. Chaque fois que je dis, ouais, lis-moi. Imaginez ces heures seulement qu'elle fait gratuitement. C'est qu'elle ne respire pas. Cette jeune fille à Boza. Boza arrivait en Beng. Commencez avec un gars, avec l'enfant. Le gars fuit. Elle a fait l'effort, cotiser l'argent pour payer le kit. Le kit est arrivé hier, ou c'est avant-hier. Elle reçoit le kit, elle m'envoie la photo. Donc, c'était, ça fait 3 jours que c'est venu. Toute contente. Elle a mis toute sa famille dans ses prières. Elle fait le rêve, je crois qu'elle a fait le rêve la nuit dernière. Comment la belle-mère, la première femme est venue dans le rêve avec ses enfants à elle. Dit que c'est toi qui es en train de nous empêcher pour qu'on ne touche pas tes frères et sœurs. Que c'est toi qui nous bloques. C'est toi qui nous bloques. Le lendemain de ce rêve, l'enfant de sa grande soeur qui est parti depuis 5 mois. 5 mois, il est sorti, il est parti. Il revient aujourd'hui comme un fou. On est sorti là, il connaissait la route de la maison. Hein. Le voilà qui vient s'asseoir, parce qu'elle envoie la photo, que voilà mon neveu. Que je suis dépassée. Parce qu'elle s'est assise, elle a pris un kit. Elle a mis ses propres prières sur ça. Et vous savez que je passe mon temps à vous enseigner c'est comment prier. Ne stressez pas. Là-bas, 45 ans, 50 ans. Vous êtes calé en bain. On t'appelle, tu ne fais pas. Ah, la petite fille là, tu viens me demander la consultation. Et en demandant la consultation, tu sais toi-même, tu me dis, ils m'ont déjà appelé, je sais que je suis appelé. Tu te moques de moi. Le Seigneur a dit la moisson est abondante. Mais les laboureurs sont très peu. Ils sont très peu. Ne vous dérangez pas. Vous commentez, ça ne me plaît pas, je vous bloque. Vous allez créer un autre profil avant de suivre ma page. Parce que vous êtes des hypocrites. Mais le truc, c'est que vous oubliez qu'il y a un jugement. On est là ici, on le sait. On ne se sert pas nous-mêmes. Hein. On n'est pas ici là seulement. Et le service que vous apportez, c'est sur vos générations à venir. Sur vos générations à venir. Quand vous êtes égoïste là. Aujourd'hui, dans la prière qu'on a fait le matin, à midi, je vous ai dit. Une prière ne te coûte rien quand tu pries pour quelqu'un. C'est une phrase qui sort de ta bouche. Seigneur, je délivre telle personne de la pauvreté. Tu m'aimes. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Vous êtes égoïste. Oh. Tu sais que si tu obéissais à ce qu'on t'a dit de faire, tes enfants ne seraient pas bloqués.
y en a même parmi vous que vous ne méritez même pas le bien. Vous ne méritez même pas. Vous ne méritez pas. Parce que quand vous êtes bien, vous n'aidez pas quelqu'un. Il y en a parmi vous que vous n'aviez pas avant. Je vois comment tu commences à avoir, tu prévois comment je vais aider mes neveux. Je vais payer l'école de tel enfant maintenant cette année. Je vais payer l'école de tel enfant. Il y en a parmi vous, vous êtes égoïste. Ça fait mal. Pourquoi vous voulez bambou, vous pouvez manipuler les ancêtres. Pourquoi vous voulez manipuler les ancêtres? Vous pensez que quand il m'a souci, ce n'est pas les enfants. Quand il m'a souci, je prends mon temps, j'enseigne. Vous pensez que je n'ai pas les enfants? Que je n'ai pas une famille aussi? Dieu essaie de manipuler Dieu, ça, on ne le manipule pas. On ne manipule pas Dieu. On ne le manipule pas. Seigneur, donne-moi d'abord le mari. Seigneur, je veux d'abord les papiers. Je veux d'abord ça. C'est pour ça que chaque fois que ça va arriver, ce que tu vas attraper comme ça, huit, ça fuit. Tu crois qu'ils ne connaissent pas? Et Jésus a dit que si une graine ne meurt pas, si une graine ne meurt pas, elle ne peut pas porter des fruits. Tu ne peux pas sortir et donner quelque chose d'autre. Quand tu mets le maïs à la terre, quand ça ressort, ce n'est plus le maïs. Et ça grandit pour donner plein de graines de maïs. Je suis désolé, les Camerounais sont très égoïstes ces derniers jours. Ils pensent qu'à eux. Parfois tu es même en bain comme ça, là tu vois quelque chose qui peut aider même quelqu'un. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas les papiers, mais vous avez des gens à avoir les papiers. Vous n'êtes pas bête. Parfois tu arrives, on te dit qu'il y a un réseau. C'est pour les gens qui ont fait 8 mois sur le territoire. Toi tu as déjà fait 5 ans. Tu sais que c'est mort pour toi. Tu appelles quelqu'un. Tu dis que voilà, il y a tel... Papa, envoie tes enfants, ça les aide. Envoie tes enfants. Mes enfants peut-être sont entrés illégalement. Ils ne peuvent plus entrer dans la procédure là. Aidez les autres personnes. Les Camerounais sont trop... Vous êtes égoïstes. Vous êtes égoïstes. Et vous ne savez pas qu'il y a les bénédictions qui viennent seulement parce que tu as aidé quelqu'un. Seulement parce que tu es resté comme ça là. Tu as cherché qu'il y a une telle procédure. Tu vois ta soeur au pays. Tu dis que bon, quand ton enfant va avoir 14 ans, il y a un programme ici là de bourse qu'on peut faire pour envoyer les enfants en Europe. Montre-lui. Non, tu es jaloux. Non, il ne faut pas que ses enfants. Elle est même restée au pays. Elle a construit. Moi, il n'est pas encore construit. Je suis en Bénin depuis 15 ans. Je cherche les papiers. Je n'ai pas eu. Tu ne peux pas aider son enfant de 14 ans. C'est ça votre cœur. Je vous dis qu'un jour, je vous ai reçu en juin chez moi. Les gens arrivent. Je donne la nourriture. Manger. Ils mangent. Après, je donne les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau. Il y avait environ 6 femmes. Il y avait 3 bouteilles d'eau. Maman, aucune de ces 6 femmes n'a dit que ok, bon, je laisse, prenez. Je dis qu'il y a 3 bouteilles d'eau, il y a 6 femmes. Donnez aux autres, non. Je lance comme ça là. Toutes les 6 se précipitent, tu sais ce qu'elles discutent. Je pars avec, il y avait 3 qui discutaient, je tire de leur main. Il dit que moi-même, je vais boire l'autre aussi. Une bouteille d'eau de 250 francs. On est en train de te donner. Hein. Ce n'est pas que tu as acheté. On te donne. Donc, toi qui pleures que tu n'as pas. Donc, si Dieu tente de te donner, tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Et aucune de ces femmes n'a dit que, ok, bon, je bois un peu, je coupe un peu, je bois à distance comme ça, après tu prends la moitié. Non! Si tu ne fais pas attention, elles vont prendre 2 gouttes d'eau dans la poche. Et vous me suivez. Et vous dites que vous me connaissez. Non, pardon. Pas de cœur pour donner. Pas de cœur pour donner.
Mais non, arrêtez. Arrêtez. Souvent, tu refuses, tu n'as même pas l'argent. Tu prépares même la nourriture, tu fais même les beignets de 3000 francs. Ça donne une petite assiette de beignets comme ça, là, tu viens avec. Tu dis que maman, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent pour la quête. Mais j'ai quand même fait les beignets, manger. Manger. Je vois encore toujours comment j'ai commencé. En 2012, j'étais dans une église, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les papiers. Le pasteur faisait que dire qu'on va cotiser l'argent pour payer un nouvel immeuble pour l'église. On va cotiser l'argent. Je reste, j'ai dit que. Ah. J'ai commencé à dire bon, je vais faire les beignets. Je faisais les beignets. Parce que j'avais remarqué qu'entre deux services, on finissait à 14h. Et on recommençait le service à 17h. Entre les deux services, il y avait des gens qui restaient sur place. Ils n'avaient pas à manger. Je prenais mes 5 pounds chaque dimanche. Je fais les beignets avec à la maison beaucoup. Quand on finit le service, je laisse certaines personnes partir. Ceux qui restent maintenant, je sors les beignets. On mange. C'est fou comment à l'église, souvent les gens vont vous faire le souci avec la nourriture. Dans la maison de Dieu. On met peut-être un anniversaire. Ils sont en train de partager. Tu te dis que ah, c'est la maison de Dieu, non? Celle qui a la cuillère en main là, vous allez voir comment elle va faire avec la nourriture. Parce qu'on lui a donné le pouvoir. Je donne. Après l'autre, je dis que mais tu peux vendre les beignets si elle. Que si tu vendais ce que moi j'achète. Semaine prochaine, je dis que ok, je vais vendre. L'argent du bénéfice des beignets si, on va mettre dans la caisse pour l'église. Chaque semaine, on faisait 50 pounds qui partaient dans la caisse de l'église. 50 pounds qui partaient dans la caisse de l'église. Je n'avais pas d'argent à donner, mais j'avais 5 pounds. J'ai mis mon onction sur ça. C'est comme ça que j'ai découvert mes talents. Hein. J'ai compris que j'ai la main qui multiplie. Parce que je donnais. Quand ils voient l'égoïsme, oh. Souvent tu vois que quand il n'a pas, tu lui donnes, il se tourne, tu vois comment il refuse à quelqu'un d'autre, tu dis que mais c'est quoi ça? Je viens de te donner, tu n'avais même pas il y a 5 minutes. Il y a une parabole dans la Bible qui dit ceci. Si vous vous rappelez la parabole, je vais utiliser des montants d'argent parce que je ne connais plus, je ne me rappelle plus la somme en talent. Un monsieur qui devait de l'argent à un homme très riche, supposons qu'il devait 5 millions de francs CFA. Il vient devant le monsieur, il supplie. Wow, je suis marié, j'ai les enfants. Wow. Le monsieur dit, bon, ok, je te pardonne ta dette. Il part. Il marche comme ça. Le riche en marchant dans le couloir, la même journée, le trouve en train de menacer de mettre en prison quelqu'un qui lui doit 50 000. Il observe la scène. Hein? Tu n'as pas mes 50 000, pourquoi? Mettez-le en prison. Là, le riche est venu. Les 5 millions que tu me devais là, mettez-le en prison aussi pour les 5 millions. Mettez-le en prison pour les 5 millions qu'il me doit. Votre problème, ce n'est pas que vous manquez l'argent. C'est la disposition de votre cœur. Votre cœur. Votre cœur est noir. Neuf. Souvent, vous me saturez, souvent je suis fatigué, souvent je suis rassasié de vous. Souvent je suis rassasié. J'ai fait les beignets. Après, quand le dimanche, je venais vendre à l'église où ça partait. Et dans la semaine, je faisais mes beignets. Maintenant, je vendais, ça me donnait l'argent que je devais manger dans ma vie. C'est comme ça que j'ai découvert que je peux faire les beignets. Après, j'ai commencé à faire les croquettes. Après, j'ai fait les caramels. En Angleterre, sans papier. Moi, je savais que si tu goûtes mes beignets, si tu es n'importe qui, même la reine d'Angleterre sait manger mes beignets, elle allait s'abonner chez moi. Parce qu'elle connaît les beignets que je fais. Elle connaissait mes chin-chin, les croquettes qu'elle faisait. Tu vois, on fait le truc là. On dit qu'on a le premier, on a messe d'action de grâce. Et on va faire le salaka. Je suis sûr qu'il y en aura parmi vous. Vous allez venir sans rien. Une mère. La dernière fois, il y a une fille de 14 ans qui m'a apporté les crêpes.
Je regarde les mères. Quand elles passent, je ris, vous croyez que je ris comme ça, mais vous ne savez pas que c'est là que vos bénédictions sont, mais vous les ratez. Je dis que dans l'enfant, s'il s'est réveillé tôt, parce que s'il est venu à 10, à 9 heures, Michel? Michel? Get the dog out. Si l'enfant s'est mis à... Elle s'est réveillée à 5 heures. Elle a fait la pâte des crêpes. Elle a passé du temps à se brûler ses doigts. Brûler ses doigts. Parce qu'elle voulait faire les crêpes pour venir me donner. Toi, la mère. Une mère. C'est comme ça que vous allez voir les enfants que demain sera milliardaire. Parce que c'est dans son cœur depuis qu'elle est petite. Depuis qu'elle est petite. Toi, tu es là, tu es une mère, tu es chiche. Tu es t'assois. Et j'ai donné les crêpes de vous là, vous avez mangé. C'est l'enfant qui a fait. Peut-être ça avait son argent de beignet. Vous êtes assis comme ça là, mangez. Vous ne connaissez pas les bénédictions que vous manquez. C'est pour ça que vous restez. C'est parti, non? Oui, il y a le problème. Ah, c'est non. Ok, c'est la fin de la vie. Ah, ah. C'est bien ça. Elle va confirmer le code. On dit, j'ai fait le lavage, ils ne le font pas. Oui, c'est modifiable, non? Quoi, ça, les 145 000. Maintenant, je vais essayer de joindre ce monsieur que j'appelle Junior. Il va voir. C'est tout. Parce qu'elle a dépassé le temps de toutes les façons. Donc, il faut qu'on attende. Je vais essayer d'aller à l'aéroport, si je peux le voir demain, pour avoir son numéro. Je vais parler d'argent. Je veux que vous compreniez que pour que l'argent vienne à quelqu'un, tu dois avoir d'abord un esprit prospère. Tu ne peux pas avoir l'argent si tu ne veux pas aider les gens. Allez voir toutes les personnes qui se sont enrichies. Leur premier souci, ce n'était pas de s'enrichir. C'était d'aider les gens. Le business que vous voyez fait aujourd'hui là, pendant au moins 4 ans, 5 ans, je restais voir les gens souffrir. Je reste en Angleterre, je n'ai pas les papiers, je vois les Camerounais souffrent. Je vois les gens, ils disent que, mais Seigneur, comment on fait pour aider les gens? Tu vois, quelqu'un est bloqué pour rien. Je me taraudais tout l'esprit que, mais Seigneur, comment, Seigneur, aide-moi, je veux aider les gens. La base d'abord de la prospérité, tu dois vouloir aider les gens. Parce que l'argent qui va venir dans tes mains, ça va passer par les gens. Ne pensez pas que vous allez rester dans votre chambre, vous allez vous enrichir. Non. Même quand tu passes sur la page de quelqu'un, pour que tu t'abonnes, il faut que tu vois que la personne, s'il veut quand même me donner quelque chose. Allez lire Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. L'une des premières règles du succès selon Napoléon Hill. Il dit ceci. Tu dois donner. Et au départ, tu donnes sans chercher une récompense quelconque. Je sais que vous n'aimez pas entendre l'autre là. Ah, quand tu me dis que je vais donner. Mais on va me donner quoi en retour? Rien? Non. Donc moi, je veux me lever partir là-bas. Oui. Oui. Première règle du succès. Be willing to give. Voilà. Hier, tu as offert une mamie de sangha de 45 litres. Les gens vont sûrement te prendre pour une folle. Mais ils ne savent pas que ce que tu es en train de faire. Peut-être que toi, tu ne mesures pas l'ampleur de ce que tu es en train de faire.
Première règle du succès. Tu dois être prêt à donner sans chercher le retour de ça. À part ce moment où je donnais dans cette église-là, je suis arrivé dans une autre église, à Winners Chapel, la chapelle des vainqueurs. Je n'avais pas les papiers. Et l'année où Dieu m'a donné mes papiers, bonjour la reine Janine. J'étais dans une, on appelait WOFB, World of Faith Bible Training, quelque chose comme ça. Donc quand tu arrives chez Winners Chapel, chez la chapelle des vainqueurs, ils ont une formation qu'ils font là. Voilà. Donc j'ai fait cette formation. J'ai fait ça. J'ai fait. Le dernier jour de la formation, non, le mercredi, on a commencé le lundi. Mercredi, le Seigneur me dit, on est en train d'imprimer ton titre de séjour aujourd'hui. Il dit, mais Seigneur, on est en 2015. C'est depuis 2009 que je n'ai pas les papiers. Il dit qu'aujourd'hui, on est en train d'imprimer ton papier. Que comme on te donne là, tu t'engages à faire quoi pour moi? Il dit, Dieu, mais je vais travailler. Non, il dit, tu t'engages à faire quoi pour moi? J'ai pris l'engagement personnel avec Dieu que je vais travailler 6 mois dans l'église là gratuitement. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas de revenus. Vendredi, j'arrive à la maison, je vois que la poste est passée et ils m'ont raté. Donc, c'est comme ça, tu prends le petit bout de papier, tu pars au post office, avec dans le bureau de poste. J'arrive là-bas samedi, je prends la lettre, j'ouvre, je vois que ce sont mes papiers qu'on m'a donnés. Je croyais que, j'ai tellement attendu les papiers, je croyais qu'on allait me donner les papiers. Ça allait venir avec la Rolls-Royce, le jet privé, l'entrée au ciel, je pensais que ça... Non! Je vois seulement mes papiers, je regarde. Ok. Donc j'ai seulement les papiers. Ok. Mes amis disent que, oh, enfin, comme tu as les papiers, tu peux maintenant aller travailler à temps plein, tu peux. C'était en août, septembre, octobre, novembre, décembre, le 8 décembre. Il y a un vieux père dans l'église où j'étais. C'est maintenant qu'il me rappelle de ça. Parce que quand j'ai reçu les papiers, pour faire la formation, il fallait 145 pounds. Formation de care assistant pour être auxiliaire de vie. Décembre, le papa la porte 145 pounds. J'avais tous mes deux habits. Vous rappelez que j'avais tous mes deux habits qui étaient à l'église là. Deux habits. Si on me voyait pas avec l'habit vert, c'était l'habit noir. Ah, Sister Jocelyn, tu as porté l'habit vert aujourd'hui. Sister Jocelyn, tu as porté l'habit noir. J'avais mes deux habits. Je lavais, je repassais, je revenais avec. Mais après, encore du père là, je suis sûr qu'il ne va pas le retrouver aujourd'hui. Il a peut-être 65 ans. C'était un père nigérien comme ça. Je crois que les Nigériens ont beaucoup de fous. Ils sont vraiment religieux là. Il était à l'église avec nous. Et tu vois, le père là, il avait les chaussures penchées. Tu vois, le père que. Il achète sa chaussure, il porte ça tous les jours jusqu'à ce que ça se gâte. Il était venu faire son doctorat en Angleterre. Et on était toujours à la prière de 6 heures. Oh, bless his heart. Il s'est facile encore vivant. Depuis 2016, je n'ai pas entendu parler de ce monsieur. C'est aujourd'hui qu'il me rappelle depuis. Je l'avais même oublié. On partait toujours à la prière du matin ensemble. Et quand j'ai eu mes papiers, j'ai témoigné, les gens étaient contents. Quand j'évangélisais, j'étais toujours celle qui ramenait le plus de personnes à l'église. Mais il n'avait pas l'argent. Et il n'était pas marié. Je m'appelle le 8 décembre. Je m'appelle la date, le 8 décembre. Le père là me dit, il me donne 145 pounds. Parce que quand il faisait, il avait fini, il me demande que tu ne travailles pas pourquoi. Il dit qu'il me faut 145 pounds pour payer la formation. Je n'ai pas. Il a pris 145 pounds. Il m'appelle le jour là. Il dit, je te prends comme mon enfant. Quand il voit comment tu te défends ici là, je vois que tu travailles déjà à l'église. Je veux que tu partes te former pour travailler comme auxiliaire de vie. Donc tu travailles dans la journée ici à l'église. Et le soir, tu peux travailler comme auxiliaire de vie. J'ai pris les 145 pendant que je suis parti, me suis formé avec. J'ai demandé la permission à l'église, on m'a dit 3 jours. C'était 3 jours de formation, généralement. J'ai commencé à travailler avec Brooks, à Birmingham. On m'appelle mon premier salaire. Je suis encore revenu donner les premiers salaires à l'église avec.
J'avais témoigné, oh, quelqu'un de l'église m'a offert, m'a donné 145 points, je ne vais pas me former. Donc, je travaillais peut-être je faisais 3 nuits par semaine. Je servais toujours. J'étais traductrice le dimanche. On faisait 4 services. Je traduisais pour 2 services. Je traduisais en live. Donc, je mettais les écouteurs. Donc, quand le pasteur dit, in Jesus' name, amen. Je suis là, au nom de Jésus, amen. Parce qu'on avait souvent les gens qui venaient de France. Et quand ils arrivaient là-bas à l'église, ils ne parlaient pas le français, l'anglais. Donc, je travaillais là-bas comme secrétaire de lundi à vendredi. Samedi, j'évangélisais. Dimanche, je traduisais à l'église. Et on ne me payait pas, s'il vous plaît. Je vous assure que c'était le boulot le plus dur de ma vie, c'était de traduire à l'église. That was hard. Parfois, je me demande comment le pasteur la faisait. Nous voilà. In the name of Jesus, now stand up. Nous voilà, levez-vous maintenant. On finit. On finit l'église, je traîne un peu, après je rentre à la maison. Je peux dire que les seuls moments que j'avais, c'était peut-être mon dimanche après-midi. Parce que le lendemain, 6 heures, j'étais encore à l'église. Je finis la prière. Dès que j'ai fini la prière, tac, je commence le boulot. Je rentre, la prière était 6h à 6h30. Ou bien 6h, je suis 6h45, je pense. Avec Bishop, des vidéos de coup. Je rentrais, je prends le bus, je rentre. Quand je rentre comme ça, ma fille s'est déjà apprêtée. Je la prends, je la dépose à l'école à 7h30. Je pars à l'église, je reviens travailler à 8h. Voilà. Je travaille à Digbeth, ceux qui connaissent Digbeth en Angleterre. J'ai fait ça pendant... J'arrêtais le travail en février, je crois que ça va être le 15 ou le 18 février. J'ai commencé le 18 août. Non, août, oui, j'ai eu mes papiers le 15 août. J'ai commencé le travail le 18 août et j'ai fini le 18 février. 6 mois de travail. Décembre, que le papa là m'a donné 145 pounds pour ma formation. Ce même décembre-là, j'ai rencontré un fiancé, un gars qu'après on s'est fiancé. Le temps là, je ne connaissais pas encore ce qu'on appelle les blocages sur la vie de quelqu'un. Parce que j'avais remarqué que chaque fois que je me mettais en relation, jusqu'à j'ai dit, ah, j'avais des familles qui connaissent. Première semaine, ça sera bien. Deuxième semaine, ça sera bien. Troisième semaine. Un mois plus tard, ça va piac. Ça va piac. C'était comme ça. Donc, on s'est rencontrés. Merci beaucoup, la reine Maïs. On s'est rencontrés en décembre. Février, le gars avait mis la bague sur ma main. Il était sudon. Je sais que c'est toi. I know it's you. I want to marry. Avril, les problèmes ont commencé. Problème sur problème. Oh, jusqu'à il est parti. Un jour, m'abandonne, c'est parti. Je ne connaissais pas encore les blocages. Je ne connaissais pas qu'il y avait les gens. Il y avait les décepticons qui bloquent les gens. Je prie, je dis que Seigneur, tu vas me montrer comment débloquer les gens. L'affaire que tu fais ta vie, jusqu'à ça va un peu aller là. Je servais toujours et je semais. Je semais. Quand tu apprends l'habitude de semer, tu sèmes sur ta vie de tes enfants. Et apprenez à vos enfants à semer. Vos enfants doivent avoir... Tu vois, un enfant qui il s'en fout de tout le monde, tout le lieu. Si ton enfant est comme ça, lave-le avec le sel. Paye les travaux à distance sur lui. Fais les salakas. Tu dis que le salaka ici qui est fait, c'est pour mon enfant-ci. Tu offres le sucre, genre le sel, le riz, le lait. Tu mets le nom de l'enfant sur ça. Seigneur, ça c'est pour tel enfant, c'est pour tel de mes enfants. C'est pour tel de mes enfants, tu ne vas pas te perdre. Tu ne te perdras pas. Jamais. Semez sur vos enfants. Ta vie a tourné comme ça parce que personne n'avait semé sur ta vie. Te voilà élan comme ça. Tu es arrivé en Europe, tu as fait 8 ans avant d'avoir les papiers. 8 ans. Tu as fait 5 demandes de visa, 15 demandes de visa. On ne t'a jamais donné. Semez sur vos enfants. Si bien que ton enfant, il est là, il a 22 ans. Il arrive quelque part. On dit que ça a fait l'accident de quoi, oh. Il était le seul qui s'était... Il s'est réveillé tard le jour-là. Il n'est pas entré dans la voiture le jour-là. Il arrive, on dit que... Wow, wow, wow. Il est le seul qu'on dit que... Je ne sais pas pourquoi, mais l'enfant là va passer. Toi, viens, viens. Sa mère a prié sur lui. Sa mère a semé sur lui. Sa mère l'a lavé.
Sa mère a prophétisé sur lui. Et certains d'entre vous, tu n'as pas été milliardaire peut-être à 25 ans. Mais ton enfant à 20 ans, il sera milliardaire. Vous connaissez vos mamans Ticone, non? Que même jusqu'aujourd'hui, ta mère ne connaît pas comment on prend le sel, le jujube, on verse, on lance même pour parler sur quelqu'un. Elle ne connaît pas. Donc tu es en train de commencer les choses à zéro. Et il y a des choses que quand tu fais sur ton enfant, maman, c'est toi qui l'as porté dans ton ventre. Non? Personne ne peut venir contrecarrer ça. Ce sont les lois. Je vous dis toujours que la spiritualité a les lois. Ça a les lois. Quelqu'un ne peut venir enfreindre la loi. Non, 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 non. C'est la loi. Est-ce que tu parlais sur l'autoroute, l'autobahn là en Allemagne, tu roules à contre-sens? Tu vas percuter quelqu'un? Tu vas mourir? Il y en a parmi vous que vous avez même hébergé les gens chez vous. Tu t'es occupé de tel enfant, il est arrivé en Bengui, il a fait même 3 ans chez toi, avant de partir de son côté. Tel enfant est venu, 3 ans, tu l'as guidé, tu lui as donné la direction. Tu es en train de s'aimer dans la vie de ces enfants-là. Tu es en train de s'aimer. Je sais que souvent vous doutez de vous. Vous commencez, ne doutez pas. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de ce que je devais vous enseigner quand je suis venu ici aujourd'hui. Bonsoir Juliette, merci. Le Seigneur me montre en fait qu'il y a beaucoup d'entre vous, votre argent est en train d'augmenter. Et ce n'est pas la blague. Votre argent est en train de sérieusement augmenter. Et si tu gères ça comme tu gérais avant, tu risques de te retrouver dans les problèmes. Première règle dans l'argent. Le tout, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est de savoir comment gérer l'argent. Le tout, ce n'est pas d'avoir l'argent. La preuve, tu peux être sur 200 000 au mois. Tu es à l'aise. Tu fais tous tes... Donc, tu veux voyager, tu voyages. Tu pars en Bengue, tu pars en France avec tes enfants, tu deviens. Parce que tes 200 000, tu les planifies bien. Tu sèmes bien. Tu arrives là où les gens payent 1 million. On te dit, oh madame, mais payez 300 000 madame. Pourquoi? Parce que tu as des principes que tu as engagés sur ton argent depuis longtemps. Donc, ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est de savoir gérer l'argent. Quand l'argent touche ta main, l'argent qui touche ta main, c'est la semence. La Bible dit que God gives seed to the sower and bread to the eater. Donc, le Seigneur donne la semence au semeur. Et le pain à celui qui mange. Donc, quand on parle de semence au semeur, ça veut dire que ce qui touche ta main, c'est une semence. Et je parle de semence parce qu'il y a une saison, quand tu sèmes bien, il y a une saison où tu commences à récolter seulement. Parfois, tu peux arriver dans une entreprise, tu vois comment ils ont bien mis leurs choses, tu vois peut-être le complexe qu'ils ont conçu, c'est 3 milliards. La production qu'ils font dans le complexe, là, c'est au moins ce 50 millions par jour. Parce qu'ils ont pris la peine de semer. Donc, plus tu vas semer, plus profondément tu vas mettre ta fondation, plus haut tu pourras ériger ton building. Il y en a parmi vous, venez de commencer à payer votre dîme. Tu viens de commencer les salakas. Si tu as remarqué que tu manquais toujours, avant tu manquais toujours. Souvent, je sais que vous avez des témoignages que, ouais, je ne vois pas encore l'argent, mais je vois les faveurs. Je vois, on me donne les réductions ici. Voilà, j'aime souvent les ouvriers qui viennent, ils font mon travail pour rien. C'est des choses qui ne t'arrivaient pas avant, ma chérie. Donc, quand tu reçois ton argent, vous connaissez, il y a des pourcentages. Ceux qui connaissent des pourcentages, vous vous rappelez des pourcentages? Vous appliquez les pourcentages? Je sais que vous rejetez la sagesse, donc je parle seulement pour quelques personnes. Quand on me dit de faire quelque chose, est fait. C'est qu'il y a quelques personnes qui attendent ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de ça. Je sais qu'il y a les habitus. Vous connaissez déjà. 10% dîme. 5% offrande. 15% loyer. 15% loyer. 20% dette.
20% dette, 5% facture, 5% nourriture de la maison et tout ça, ça peut être dans les 10%. 5% facture, oui. Si tu as peut-être le... Non, mais déjà, combien déjà? 15, 30, 50, 60, 70. Mm-hmm. Il y a aussi un pourcentage qui va pour les loisirs. Je rappelle que quand tu es dans ta saison de semences, il y a des choses que tu vas oublier. J'ai souvent des gens que j'ai côtoyés qui manquent toujours l'argent. Je reste avec la personne un mois, je vois comment il gère son argent. Souvent, tu donnes l'argent à la personne comme tu viens de lui donner là. Hmm? Parfois, il va servir mes petits frères. Bien. Quand tu vois quelqu'un qui sait que si je demande encore, il va donner là. Mm-hmm. Il prend, il part au supermarché. Tu l'envoies au supermarché avec 30 000. Il te dit que la facture était 30 000 100 francs. Et que vrai, il est parti, il a pris les choses de 30 000 100 francs. Parce qu'on lui avait chanté. Non, il n'a pas réfléchi que... Bon. Telle marque de lait, peut-être, c'est telle somme. Si il prend ceci, ça peut économiser même, ça peut réduire même 1000 francs, 1200 sur la facture. Tu rentres avec les 1200, tu dis bon voilà, tu m'as donné certes ça, tu as dit que c'était comme ça qu'on devait payer, mais je suis arrivé, j'ai pensé que j'ai trouvé que moins cher, donc j'ai pris ça. Donc voilà, je t'ai économisé 4500 sur ton argent. Et on va toujours manger les mêmes choses qu'on devait manger avec 30 000. C'est là que tu vois si quelqu'un a le sens. Si là... Parce que si tu ne peux pas gérer pour quelqu'un, tout ça c'est dans la Bible. Hein. Je vais redonner les pourcentages. Donc, la Bible dit que si tu ne peux pas t'occuper de pour quelqu'un d'autre, qui va te donner ta part? Parfois, quand je vois mes employés dépenser mes choses, je ris. Il dit que vous dépensez parce que c'est mon argent. Souvent, tu envoies un employé. Il arrive au marché, hein, il sait qu'il aurait bien pu prendre telle chose à tel montant. Tu arrives, on te dit peut-être que celui-ci vend ça. La pièce, il vend la pièce à 700. Comme madame t'a dit, va chercher au marché, va chercher les sacs, les petits sacs rouges. Tu arrives, tu trouves que c'est 700 la pièce. Tu trouves que c'est 700, tu t'assois là-bas, tu dis, ok madame, c'est 700 là madame, il faut combien de pièces? L'employé que je garde et que je vais donner la promotion après, c'est celui-là qui va dire, madame, j'ai vu ça là-bas à 500. Mais en attendant que vous répondiez, j'ai un peu marché dans deux, trois boutiques. Je me suis un peu renseigné. Et on m'a dit qu'il y a un fournisseur dans le marché. Donc je suis entré un peu dans le marché. J'ai trouvé ça là-bas à 550, madame. Ce n'était pas son argent. Mais cette personne qui parle comme ça, voilà, c'est celui qui sera riche demain. Voilà celui qui sera riche demain. Donc, je redonne les pourcentages. Quand tu reçois l'argent, 10% dîme, 5% offrande, 20% dette, 5%. Tu peux avoir des gens à qui tu dois de l'argent. Tu as peut-être le crédit de la maison à rembourser. Tu as le crédit, je ne sais pas de quoi à rembourser. 20% dette, 20% épargne. Donc là, on est à 55% et on n'a pas encore payé le loyer.
Je suis sûr que certains d'entre vous, votre loyer, c'est 45% de votre argent. Tu ne vas jamais devenir prospère. Après ça, après que tu te disciplines, et Dieu m'a fait découvrir ce principe, c'est quand je savais déjà économiser. Hein. Pardon, quand je savais déjà payer ma dîme. Quand je savais déjà payer ma dîme, ça veut dire qu'il y a les étapes. Donc là, on est déjà à 55%. Maintenant, on ajoute 15% loyer. Ça fait combien? 70%. On ajoute 10% nourriture. On est à 80%. On ajoute 5% facture de la maison. On est à 85%. On ajoute 5% loisirs. On est à 90%. Argent à envoyer au pays, 5%. Toi que tu envoies 30% de ton revenu au pays là. Hmm? Oh, on a opéré ma Martha. Oh, ma miton est tombée. Il faut que tu envoies telle chose. Te voilà, tu sors l'argent. Maintenant, on met maintenant 5% argent pour le travail spirituel. Sadia, tu prévois les imprévus. C'est pour ça que tu auras les imprévus. Est-ce que vous savez qu'un imprévu vient pour vous tester? Hmm? Dans votre vie, hein, il y aura des choses qui vont toujours vouloir vous prendre de l'argent. Étudions ce cas ensemble. Combien de fois tu es dans le forum familial? Tu connais certains de tes oncles qui ont l'argent, non? Hmm? On dit que leur petit frère est malade. Leur petit frère, ton oncle. Hmm? Oui, tonton Bosco s'est fait mal au pied. Hein? Oui, il a un diabète sur le pied là. Ça ne guérit pas depuis. Il faut que la famille cotise. Tu as un oncle qui est riche. Tout le monde envoie 15 000, 20 000, 40 000. Ouais, toi tu es petit-fils. Tonton Jacob ne sort pas son argent. Après, on vous envoie la photo, comme il est à l'hôpital, il est à oh, il est dans le coma, oh, 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 oh. Il est dans le coma, et go fou. Ton cœur fait comme ça là, pim, pim, pim. Tu peux apporter 400 euros, tu envoies. Hmm? Tu vois que tonton Jacob là n'a pas poussé l'argent pour envoyer. La prochaine fois qu'il y a une situation, hein, fais comme si tu n'avais pas l'argent. Teste la limite du problème là. Tu vas voir jusqu'où le problème là va arriver, s'essouffler. Observe le problème. Tu observes, le problème s'échauffe dans la pièce. Il se fait comme la tisse. Il court, il se dit, push, donne-moi l'argent. Tu regardes. Push, donne-moi l'argent. Il y a eu des jours où tu es parti pour retirer l'argent. Ta carte était bloquée. Ta carte était bloquée ou bien c'était un jour férié. Donc les postes étaient fermés. La banque postale était fermée, non? Tu n'as pas envoyé, non? Et c'est que vous n'aimez pas dire la vérité. Quand vous touchez sur mes choses là, vous n'aimez pas dire la vérité. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Parlez, parlez. Tu n'as pas envoyé l'argent, non? Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ah, il est sorti du coma. Sain et sauf. Merci à ceux qui ont participé. Je me suis rendu compte que si je meurs, les gens de ma famille vont toujours vivre. Et ils vont résoudre leurs problèmes. Ne cours plus rapidement pour aller résoudre les problèmes des gens. Ne cours plus vite, vite. Voilà, Châtel dit bien, sa carte avait été avalée. Ok.
ton argent sera testé. Et si tu ne maîtrises pas, si tu n'apprends pas à dire non, non. Et c'est comme s'ils ont le flair de l'argent. C'est spirituel. C'est ton test, ma chérie. C'est ton test. Laisse-moi qu'ils ont les caméras. Laisse qu'ils ont les caméras. Laisse. C'est ton test. C'est spirituel. Et il y en a parmi vous, déjà de vos familles, qui ils ont à travailler sur vous si bien que ils ont le commandement sur vous. Il suffit que la personne fait tu es au bureau de Western Union pour envoyer l'argent. Parfois, ils ne te demandent pas l'argent. Hein. Les enfants se baptisent dimanche le 9. Puis j'ai envoyé l'argent pour le baptême. Elle n'a pas demandé. Hein. Ça, c'est le degré de l'emprise qu'ils ont sur vous. En tout cas, passons. Chacun porte sa part. À chacun sa chance. Je vous demande de planifier comme ça parce que je prends encore une autre situation. Les besoins se pointeront en fonction de l'argent que tu as à disposition. Oui. Quand tu n'avais pas les papiers, tu avais par mois 500 euros, non? Tu vivais avec 500 euros, non, ma chérie? N'est-ce pas? Maintenant, tu as 2500 euros le mois. Comment ça se fait qu'à la fin du mois, tu n'as pas 2000 euros que tu as mis de côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout argent qui touche ta main, même avant que ça ne touche ta main, ça doit avoir un projet que ça va réaliser. Si ton argent n'a pas de projet, tu t'exposes. Tu t'exposes. Et ton argent, ce n'est pas seulement fait pour rembourser les factures de SFR, de gna gna gna, de gna 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 gna. Maintenant, quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir que pour l'instant, ce que je vous dis là, c'est presque impossible. Ça, c'est une loi que j'ai commencé à mettre en pratique en 2020, quand le corona a frappé. Ça m'a pris environ 4 mois, parce que je suis très radicale dans certaines choses quand je l'ai fait. Ça m'a pris environ 4 mois pour rentrer dans ça. Je suis tombée là-dessus quand j'étais en faillite. Je suis quittée d'un appartement au Cameroun où je payais 180 000 le mois. Et pour vous dire la vérité, le monsieur m'avait donné la réduction de 40 000. Bon, il me draguait. Donc les gens payaient 180 000, mais moi, comme il me draguait, il m'a diminué, j'ai payé 140 000. Voilà. Donc, je peux dire que je vais dans un standing de 180 000. Et je suis quitté de là. J'allais prendre un studio que je payais à 75 000. Donc, première fois que je tombe sur ceci, je suis down. Financièrement, je suis en train de reprendre tout à zéro. On va donc, pendant qu'on va faire les détails, prenez votre calculatrice, je veux que vous m'aidiez à calculer pour mettre ici. Je pense qu'on va prendre un montant de 1000 euros, juste pour faire facile. Parce que si on prend 2500 euros, ou 3000 euros, ou bien 2000 euros, ça peut faire gnignan. Donc, on va prendre 1000 euros. Donc, quand on va calculer, il faut vous dire que, voici ma règle d'or. Pour m'en sortir, je dois gagner plus. C'est pour ça que vous devez quitter du salariat. Pour m'en sortir, je dois gagner plus. J'ai envie de faire des œuvres caritatives au village. Ce n'est pas que je dois plus économiser, mais je dois gagner plus. Donc, mon but, c'est que tu ouvres ta tête. Ouvre ta tête pour que ça reçoive. Vois un peu ta tête comme un entonnoir. Et tu as mis le bouchon ici, là, pour que ça reçoive seulement 2500 euros le mois. Je veux que tu ouvres le bouchon pour recevoir 5000, 10000, 15000, 20000 euros le mois. Supposons mon loyer, c'est 900 euros actuellement. Et mon revenu, c'est 3000 euros. Quand on va calculer, vous allez voir que même comme ça, je dépasse un peu mes limites. N'est-ce pas? Maintenant, pour que je maintienne mes 900 euros et que ça ne me dérange pas, il faut que mon revenu monte au moins à 6-7 000 euros. Comme ça, je suis à l'aise. Donc, dans tout ce que tu vas faire, pense plutôt comment augmenter mes revenus. Comment monter mes revenus. Ok. Et c'est possible. Ok, prenons quelqu'un qui touche 1000 euros. Donnez-moi un peu quelques loyers que vous payez là-bas en France. Moi, quand je vivais en France, quand j'étais avec mon ex,
On n'avait plus un appartement qu'on payait à 700 euros. Avec les factures, ça faisait 850 euros. Ma CAF, la CAF me donnait 865 euros. Donc le jour où il m'a abandonné, il m'a décidé de partir. La CAF payait seulement mon loyer. Ce qui fait que je n'avais même plus de quoi vivre après. Donc dis-moi un peu les montants des loyers que vous payez là-bas. Quelques montants de loyers. €540. Bonjour ma chérie, je pensais même à toi aujourd'hui. Comment tu vas? 430 euros. Mm-hmm. 450, 540, d'accord. Bon, je vais essayer de prendre la base de 540 euros, ok? Oui, 9 euros dans le privé. Le privé est toujours cher. Les gens disent 400, 400, là, ça c'est le HLM. Je sais. Donnez-moi le montant net que vous payez, non. Pour avoir une maison de au moins deux chambres, trois chambres, deux chambres, mettons, c'est au moins 700 à 800 euros. Si c'est à Paris, c'est 800, 900. Je n'ai pas encore vécu à Paris, et moi j'ai vécu à Reims. Voilà, 1600 euros. Voilà, ça c'est. Les gens de la Suisse, alors, ceux qui donnent les 2000 euros, je connais déjà. Donc, prenons quelqu'un qui touche, qui paye son loyer à. On va prendre 540. Celle qui paie 540 euros, ton revenu devrait être, je vais te le dire, tu devrais avoir 3600 euros le mois. Tu me suis ma chérie. Celle qui paie 540 euros là. Pour pouvoir respecter ce qu'on est en train de vous, je suis en train de vouloir vous enseigner ici là. Pour 540 euros de loyer, ton revenu doit être à 3600 le mois. Or, les gens que vous voyez en France qui sont dans les 3600 euros le mois, leur maison, c'est combien qu'ils payent, généralement? Vous allez voir qu'on vous a donné des mesures disproportionnées. Dis-moi non. Ok, le maître est passé, il a vu le travail, donc il m'a fait comprendre qu'il va m'envoyer le défi demain matin. Pas mon téléphone, comme il a mon numéro, il va m'envoyer le défi. Est-ce que vous m'envoyez? Dis-moi non. Vite, vite, comme ça, on avance. Quelqu'un me donne un salaire net ici. Ce que j'ai fait est très important pour vous. What the F?
Pour quelqu'un qui touche 3600 euros le mois, son loyer, c'est 1900 euros. Non, je pense pas. 1200 peut-être. 1300. Vous n'avez pas suivi ma question, hein, Vicky Larson. Tu dis 4100 euros comment? Je dis, pour, supposons que quelqu'un a un salaire de 3600 euros. Actuellement, si tu as des amis qui touchent 3600 euros ou 4000 euros, quel est le loyer qu'ils payent? Parce que sans que vous le sachiez, vous êtes dans une société qui vous impose ou qui vous donne des marches à suivre. Et quand vous fonctionnez selon la société ne vous montrera jamais comment devenir riche. Tu dois être plus intelligent que la société. Voilà, Laura Kevin, 1000 euros. J'aurais dit 1000 euros, 1000, 1200. Jamais. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a 3600 euros le mois et il paye 540 euros de loyer. Jamais. Je ne dis pas, je dis ce que vous voyez autour de vous. Donc, je n'ai pas la raison, on n'entendait pas ce qu'il dit. Et voilà, ça dit bien, comme il dit 540 euros. Le truc, c'est que quand la société vous a conditionné, Jacques, quand tu as un peu d'argent, on a fait Jacques, ok, tu es étudiant, tu as peut-être 1200 euros, 1000 euros le mois. On te fait prendre une petite chambre de 300 euros, 350. Dès que ton salaire monte à 3000, 4000 euros, on va te pousser. Mais sors, tu fais quoi dans une chambre de 350 euros? C'est ça, non? Peut-être que je suis folle seule aujourd'hui. N'est pas c'est vous-même que quand, dès que vous trouvez le travail, vous commencez à acheter la maison pour sortir. Et si ton salaire monte à 2500, 3000, 4000 euros, mais tu restes toujours dans tes 400 euros de loyer? Parce que le but, c'est de te mettre toujours sous pression. Tant que tu as la pression financière, tu ne réfléchis pas bien. Tu me suis? Est-ce que vous savez que votre couple... Si ton mari a l'argent aujourd'hui là, il va être amoureux. Oh mon bébé, ma bébé, ma doudouce. Oh, parce qu'il a l'argent. Testé, approuvé, je vous dis. Oh mon cœur, je t'aime. Il va t'envoyer les messages 3 fois par jour pour te dire je t'aime. Bon, je vais laisser ce direct parce que soit vous tapotez, parce que vous ne tapotez pas, vous ne commentez pas. Je pense que je dois partir mon énergie pour gagner l'argent ailleurs. J'ai d'autres choses à faire ce soir. Seriously. Les choses comme ça, j'aime enseigner ça dans mes ateliers. Parce que quand j'enseigne ici sur Facebook, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas ouvert pour le savoir. Bon, on va s'arrêter comme ça aujourd'hui. On verra si vous êtes intéressé. Vous me contactez en inbox. Vous avez suivi, non? Contactez-moi en inbox. Bon. Vous passez une bonne soirée. On va se parler. Je vais faire le direct demain matin comme d'habitude. Vous avez suivi, non? Je pense que parfois, mon savoir parfois est trop... C'est trop brut pour vous. Il y en a que vous n'êtes pas prêt. C'est ce que je pense. J'ai beaucoup de secrets qui m'ont fait... J'ai compris que vous devez aller à contre-courant, vous devez aller à contre-sens de la société. Et certains parmi vous, vous n'êtes pas prêts. Donc même si on te dit aujourd'hui que qu'est-ce que si tu pouvais, tu ferais quoi? Vous n'avez pas de sagesse, pas de stratégie. Et je vous dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on est bête. L'Afrique, c'est un choix de vie. Ok. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur Ilia Tala. Bye bye.